Bonjour, alors je ne vous présente plus Wikipol, Paul Elkarat, comme maintenant on doit l'appeler. Donc voilà, je ne vous présente pas non plus Franck Ferrand. Donc Franck Ferrand, né le 12 octobre 1967 à Poitiers, est un écrivain et animateur audiovisuel français spécialisé en histoire, auteur d'ouvrages de vulgarisation. Il intervient notamment à la radio et à la télévision. Je viens d'apprendre qu'il avait été embauché par Valeurs Actuelles et idem sur CNews, je pense. Et puis, bah, comme je vous l'avais déjà dit, donc Laurent Ruquier a le nez creux. Donc Laurent Ruquier a embauché donc notre Popole National aux grosses têtes et il prépare, et quoi, ça a déjà été tourné, donc un spécial grosses têtes. C'est un duel entre Franck Ferrand, donc un féru d'histoire, et puis et notre Popole. Donc il paraît que c'est une émission qui va être assez fantastique à regarder, surtout grâce à Popole. Donc alors, qui va gagner, Popole ou bien Franck Ferrand? Donc à votre avis? Donc bon, bah, Laurent Ruquier nous l'a annoncé, donc l'émission sera diffusée au mois de février en prime time, bien sûr. Je pense que ça sera sur France 2 un samedi. Voilà, donc bon, j'ai pas encore la date exacte. Pour l'instant, d'après ce qu'a dit Laurent Ruquier dans les grosses têtes, l'émission serait en montage. Et puis donc, alors j'aimerais bien savoir ce qu'il y aura en face pour savoir si Popole va battre la une, parce que franchement, ça serait un peu bizarre. Bon, passons. Et puis bah, vous savez ce que c'est que ça? Eh ben ça, c'est un horodateur. Et lui, qu'est-ce que c'est? C'est l'horodateur. Ok, voilà. Donc c'est les nouveaux t-shirts que j'ai fait de Popole. Donc l'horodateur, et puis l'autre c'est le carbone 14, hein, parce que le carbone 14 vous permet de vous donner les dates. T'as tout ça sur le site tromignon.com. Et sinon, moi je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye.